Ce mardi 7 mars, Jordan Bardella était invité dans l'émission C'est à vous, diffusée sur France 5. Sur le plateau d'Anne-Elisabeth Lemoine, le jeune président du Rassemblement National a été interrogé sur l'inflation, ou encore sur la réforme des retraites portée par le gouvernement, qui est à l'origine du mouvement de grève qui prend de l'ampleur en France. Patrick Cohen a notamment questionné l'homme politique de 27 ans sur l'amendement 17832 du RN proposé à l'Assemblée et qui consiste à réserver les allocations familiales aux foyers dont au moins l'un des deux parents a la nationalité française. Non sans laisser échapper une petite remarque piquante. Comme l'a indiqué le chroniqueur et journaliste de 60 ans, selon le RN, les amendements que le parti propose généreraient des sources de financement, qui permettront de financer la réforme des retraites juste et équitable. Donc c'est ça la clé? Exclure les étrangers du système de retraite pour pouvoir financer celle des autres? A résumé Patrick Cohen auprès de Jordan Bardella, qui a aussitôt semblé se braquer. Vous n'avez pas l'impression d'être légèrement caricatural? Ah, alors lâchez le bras droit de Marine Le Pen. Ce à quoi l'animateur a répondu en lui tendant ses sources. Anne-Elisabeth Lemoine a ensuite pris la parole afin de recentrer l'interview en demandant à l'homme politique l'objectif de ses amendements. D'abord. Monsieur Cohen, vous êtes un trop bon journaliste pour ignorer que, a tenté de développer le président du RN, tandis que le chroniqueur a laissé échapper un « ça commence mal ». Des aides sociales aux étrangers trop importantes selon le RN, Jordan Bardella a ainsi essayé de se rattraper en donnant quelques explications sur le projet de son parti politique. Dans le débat parlementaire, on ne peut pas créer de charges supplémentaires. Ce qui nous a empêché, à l'Assemblée nationale, de proposer, formellement et dans les textes, notre projet de loi et le contre-projet qu'a porté Marine Le Pen pendant la campagne présidentielle, a-t-il détaillé. Avant de préciser que, pour expliquer cet amendement, les aides sociales qui sont versées aux étrangers chaque année dans notre pays, représentent, 12 milliards d'euros par an. Patrick Cohen a, pour sa part, rappelé que ces personnes concernées ont cotisé pour cela. Moi, j'en ai un peu ras-le-bol que dans notre société, on demande toujours des efforts aux mêmes, aux classes populaires, aux classes moyennes, a affirmé Jordan Bardella, en estimant que le pays offre une générosité sans limite aux gens qui viennent de l'étranger et qui, parfois, n'ont pas cotisé. Nous assumons ce choix budgétaire, a-t-il martelé fermement en soulignant vouloir instaurer la priorité nationale si son parti arrive au pouvoir un jour. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, capture écran France 5.